Bonjour, je suis Souleymane Konaté. Je vais vous parler d'un exemple d'ingénierie écologique, je dirais même d'ingénierie agroécologique en Afrique de l'Ouest, qui est fondée sur des pratiques agricoles traditionnelles et sur le rôle des termites comme ingénieurs de l'écosystème. Il s'agit du système ou de la pratique ZAI. Le ZAI est donc une pratique agricole qui intervient ou qui est intervenue dans trois pays essentiellement sahéliens d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agissait à l'époque, donc il y a des centaines d'années, d'une pratique agricole qui était assez commune, mais qui a été abandonnée dans les années 50 du fait donc d'une pluviométrie favorable, car cette pratique agricole demande une main-d'œuvre intensive et un travail du sol assez pénible. Après donc la sécheresse des années 70-80, cette pratique a été revivée au niveau donc du Burkina Faso, notamment donc dans la zone du Yatenga. Et cette pratique donc elle consiste essentiellement à deux choses. À la récupération de sol dégradé, d'où le nom ZAI, qui vient de Zaïgré, qui veut dire donc se réveiller tôt pour travailler le sol, car il s'agit de sol complètement dénudé et dégradé, et également donc d'une pratique qui est fondée également, comme je le disais, sur donc une main-d'œuvre qui est intensive. Et donc cette pratique agricole, comme je le disais, a été donc réavivée dans les années 80. Face donc aux conditions climatiques assez difficiles. Il s'agit pour nous donc de voir en quoi est-ce que cette pratique peut être considérée comme un modèle d'ingénierie écologique. Quel est le principe de cette pratique agricole? Il s'agit tout simplement de pouvoir récupérer des sols qui sont complètement dégradés. Cela dans un but de restauration donc de ces sols qui deviennent peu productifs et aussi dans un but de production agricole. La pratique du ZAI consiste tout simplement donc aux populations agricoles de ces zones, de ces zones sahéliennes de pratiquer donc de créer des poquets à la veille des premières pluies lors de la longue saison sèche, de faire des poquets qui sont des petits trous. Et dans ces poquets, il s'agit tout simplement de mettre dans ces poquets tout ce qui est matière organique domestique ou agricole. Et c'est pour que ensuite, juste à la veille des premières pluies, de mettre les semences dans ces poquets. Et puis ensuite, on a une production agricole, notamment au niveau donc du sorgho et du mil, qui est nettement mieux que si on l'avait fait sans cette pratique. Je disais que le principe, il est fondé sur le fait simplement que dans ces systèmes, dans ces zones arides, il y a un facteur limitant qui est la pluviométrie. Donc, ce sont des zones qui ont des pluviométries allant de 300 à 800, voire 900 mm de pluie, donc avec une très faible pluviométrie, et qui est en fait accentuée, donc le facteur limitant qui est l'eau est accentué par le fait qu'il y a de forts ruissellements dans ces zones. Donc, ce système a pour but tout simplement d'optimiser l'utilisation de l'eau qui tombe dans ces zones. Le principe, il est très simple. Donc, lorsque on met cette matière organique dans ces sols dénudés, donc dans des poquets, il va se passer en dessous donc une activité de termites qui vont permettre donc de pouvoir augmenter donc la macroporosité donc de ces sites, donc d'avoir une infiltration assez élevée qui va réduire donc le ruissellement. Mais les termites aussi, du fait de leur activité biogénique, vont entraîner tout simplement la formation donc de matière organique ou alors une certaine activité de décomposition qui va permettre donc de pouvoir avoir une capacité en eau du sol qui est assez importante. Mais ce système reste quand même un système difficile à mettre en œuvre parce qu'il demande encore une main-d'œuvre énorme, c'est-à-dire près de 300 heures de travail par hectare. Et le but de notre travail en tant que chercheur a été donc d'essayer de bien comprendre le rôle des termites dans le système en vue de l'optimiser et de réduire donc, si vous voulez, un peu cette charge de travail, cette pénibilité du travail. En quoi le ZAI peut-il être considéré comme un système d'ingénierie écologique par donc des ingénieurs de l'écosystème que sont les termites? Effectivement, le système, il est très important. Il faut d'abord savoir qu'au niveau du ZAI, il y a deux types de ZAI. On parle du ZAI agricole
et on parle donc du zaï forestier. Dans le cas du zaï agricole, le but est effectivement d'augmenter la productivité sur des sols qui sont, disons, qui ont une valeur agricole assez, assez faible. Et donc, dans ce cas, à partir de ce système qui va permettre donc d'optimiser encore une fois la capacité en eau du sol, on pourra faire de la culture de mil et la culture de sorgho. Cependant, lorsque il s'agit de la restauration vraiment du sol ou alors lorsqu'il s'agit du zaï forestier, après donc une série de zaï agricoles, on laisse donc le système en jachère et ce système il va donc ensuite s'auto-organiser et il va s'auto-entretenir jusqu'à produire donc des végétations, disons avec l'apparition d'arbustes et tout ça. Au bout de 10-20 ans, on obtient une petite forêt, une restauration du sol qui fonctionne correctement. Donc, notre objectif dans ce travail avait été d'essayer de comprendre quel est le rôle des thermites, quels sont les thermites qui interviennent dans le système et comment nous pouvons optimiser le système en vue donc d'une vulgarisation, surtout dans un contexte actuel qui est caractérisé par donc l'effet du changement climatique combiné donc à la dégradation des sols, à la perte donc des sols, donc à restaurer un peu ces sols de sorte qu'on puisse intervenir dans ces zones dans un cadre de sécurité alimentaire. Et il s'agissait donc de regarder quelles sont les espèces thermiques qui interviennent dans le système. En effet, je disais, en quoi est-ce que le zaï peut être considéré comme un système d'ingénierie écologique? Il faut savoir donc que dans ce système, les thermites, qui sont des ingénieurs de l'écosystème par leur activité biogénique, donc vont permettre de créer des conditions donc favorables à une agriculture. Et ce système, il est une sorte d'ingénierie écologique dans la mesure où on va avoir apparaître une structure parfaite, une sorte d'auto-organisation du système qui va se maintenir tout seul à partir du travail initial donc des thermites du genre odontothermes et du genre macrothermes, comme je le disais. Et cela a été fait donc grâce à une collaboration avec des collègues de l'Université de Würzburg en Allemagne, dont le professeur Lisenmeyer, le docteur Kaiser et ainsi que le docteur Michel Lepage. Nous avons réussi à montrer que grâce à l'activité des thermites dans le système, à la compréhension de l'activité des thermites, notamment des gens qui arrivent en premier et de leur activité biogénique, on arrive à restaurer donc ces sols et à augmenter donc la production agricole. Le challenge pour nous est de savoir comment est-ce que nous pouvons raccourcir ce système, comment est-ce que nous pouvons vulgariser ce système et comment rendre ce système beaucoup moins pénible en termes donc de choix de la matière organique et en termes donc de moment donc d'activité des thermites pour que ce système soit vraiment un système, véritable système d'ingénierie écologique, vulgarisable, surtout dans un contexte de changement climatique actuel marqué par la réduction des pluviométries dans les zones sahéliennes. Merci.